C'est la deuxième édition donc, de la journée longtemps. Donc on espère que c'est que le numéro 2, mais il y aura une longue série après. Donc pour l'instant, on est un petit peu timide dans l'ampleur qu'on veut donner à cette manifestation. Mais on a de l'ambition quand même pour les années prochaines. Hein. Et peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, quand on aura un petit peu plus de moyens, on va faire ça, on va étaler ça sur un week-end, voire sur 3 jours, hein, pour que ça soit vraiment une grande fête économique et culturelle en même temps. Voilà. En tout cas, maman, il prend du plaisir. Allez, messieurs! Allez, allez, on a connu tout ça! Bon, je vais dire 2 mots quand même, parce que comme c'est la commune de Trois-Bassins qui vous reçoit aujourd'hui, c'était de notre devoir, je dirais, pas seulement le maire de Trois-Bassins, mais les élus qui sont là aussi, d'être sur cette manifestation. C'est vrai que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les différents intervenants. Ils sont tous de la commune et ils ont bien mis en avant, en tout cas, je crois qu'ils ont bien compris aussi le message que je fais passer à chaque fois. Hein. Faire de Trois-Bassins un endroit où on veut s'arrêter, venir s'amuser. Et c'est ce genre de manifestation-là que la commune de Trois-Bassins est demandeuse en tout cas. Donc pour nous, tout ce qui se passe ici, on est preneur. On va aider bien sûr les différentes associations. Initiative donc du club économique. C'est un jeune club économique qui a vu le jour il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on précisait tout à l'heure, 2e édition donc, des voitures longtemps. Il y a bien sûr la participation donc, des motos. Et effectivement, le 11 décembre, il y aura donc la montée historique. J'espère que ça va être un événement important pour notre petite commune. Cette année, c'est vrai qu'on ne fera pas comme à l'accoutumée le marché de Noël, mais j'espère en tout cas que ces 2 jours de fête sur notre territoire va amener beaucoup de monde ici dans cette belle commune des Hauts-de-l'Ouest. Trois-Bassins, vous savez, je vais présenter un petit peu puisque même si on n'est pas nombreux, on espérait quand même avoir beaucoup plus de monde aujourd'hui avec nos partenaires. On ne va pas oublier bien sûr la chambre donc, des métiers avec son représentant M. Payette. Préciser aussi que M. Payette, c'est un élu, mais il est originaire de Trois-Bassins. Donc ça me fait d'autant plus plaisir d'avoir des personnes comme ça à nos côtés pour nous aider. Hein, aider bien sûr l'économie de Trois-Bassins, mais aider aussi la collectivité. Donc tout ça est important pour nous. Il y a Cyberbase aussi qui est là aujourd'hui, que je vais remercier. Hein, c'est vrai que c'est samedi. C'est dimanche, ils sont là, ils sont toujours à nos côtés, chaque manifestation. Donc il ne faut pas oublier toutes ces personnes. C'est bénévole. Donc c'est ce genre de manifestation que nous voulons en tout cas que Trois-Bassins accueille sur son territoire. Tous ces services qui nous ont donné vraiment un grand coup de main, sans qui ils n'auraient pas pu faire cette journée. Donc nous remercions. La municipalité de Trois-Bassins, nous remercie les partenaires, le Crédit Agricole qui cette année aussi l'apporte à nous de soutien, comme quoi la manifestation il sort du cadre de Trois-Bassins. La chambre de commerce qui est excusée parce que aujourd'hui elle n'est pas là. Et nous avons la présence de M. Patrice Payette qui représente la chambre des métiers. Que l'est avec nous en tant que partenaire. Voilà, donc un grand merci à tous.